adoré voler des affaires à ma maman et les couper, faire des trucs avec, elle les récupérait, elle me faisait des scènes. Mais au moins, voilà, je pense que tout le monde avait compris déjà à cette époque-là mon côté un peu créatif et impulsif. Pendant mon master, j'ai pu travailler aussi bien le bijou, la chaussure et la lunette, comme le sac. Je souhaitais travailler sur des produits, mais qui avaient une réalité dans la vie et puis qui pouvaient répondre à un service. La maroquinerie est venue naturellement à la suite de mon premier stage après mon master de création d'accessoires, où j'ai été immergée vraiment tout de suite dans l'univers de la maroquinerie et dans le développement des maquettes et puis surtout en fait le cuir est une matière qui est extrêmement vivante, qui a une odeur, qui a un toucher, qui est très en lien avec tous les sens, et c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment attirée. Finalement, ce qui est très important dans le métier du cuir, c'est la concentration, la minutie, donc de vraiment faire en sorte que le temps passé sur cette table sera à 200% efficace. Bah, tous les matins, je me réveille avec une vraie envie de pouvoir exercer ma passion, parce que c'est vrai que c'est ce que j'aime. Maintenant, ça va faire 5 ans que je suis vraiment uniquement dans la confection et dans le prototype, donc le développement de collections. C'est une aventure qui est juste magique parce qu'il y a un début, il y a une fin, c'est vraiment comme un accouchement, quoi. Cette espèce d'histoire et puis de continuum en fait autour d'un objet, d'une forme, d'une couleur. C'est vraiment une belle histoire. Le matin, je me lève aussi avec la passion de pouvoir faire mes loisirs, profiter en fait aussi de ma journée avec tous les moments qu'il y a entre le travail. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Si on arrive à trouver le moyen de pouvoir s'ennuyer entre deux phases de travail, c'est la meilleure façon de trouver des solutions et de pouvoir avancer et être toujours en création, en fait.